اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته. والسبب الأكبر لتقوى الله تعالى. ومن قصدنا في أسبتي اليوم بسعيلتان
فسر لهذه الآية. إن الصيام من أكبر أسباب التقوى. أيها الإخوة المؤمنين، يوجد من الناس من يسأل رمضان موسما للأكل والشرب، وللتمتع بما لذ وطاب من أنواع الأكل. وبعضهم يجعله موسما للمتعات المحرمة، حيث يفقد الساهات والعزات بما بمتعاوسة وغير ذلك من الأمور التي تجب الإنسان أبعاد الناس إلى التقوى. أيها الإخوة، يوجد من الناس من يأتي عليه رمضان ويخرج وهو عبد الناس إلى التقوى. بسبب ما ذكرنا غير ذلك، أن تكون منهم يكون النبي صلى الله عليه وسلم. يا شرف الله عنه محمد إن كان على جنوبكم لك رب الصائم خذه من صيامه. ويقول أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. من لم يجد قول الزور والأمل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. الصيام إذا لم يثمر تقوى الله ورضاه، فإنه لا ثمرة له غير الجوع والعطش. لذا أيها الأخي، يجب عليك أن تكون كيسا فتنا، وأنت وقفه مع النفس محاسبة لها. تخطيطا للفوز بتقوى الله تعالى.
وان مقودو فلنحذر مما يبصر ثمرة صومنا فكفن مجا وشغا عجات نسيم كفيو بلادا ويواجه ولا نخلص خلال هذا الشهر أبو عشيون مقودو مقودو قادم شتاوي الذي ما هو إلا أيام معدودات أيام أيامي ما صفوا أي تأكل سينسي أبوي أبغى دوني لو أيام قلائل فليست بكثيرة. على ما يرضي ربنا تعالى. فجعلها وسيلة لما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى. ألا تفضل في هذه الأيام إلا ما يكون في ميزان حسناتها. فإن رضيت ووافقت الحمد لله. وإن أبت إلا تمرز والجوع خلق شهوتها. يا مريم يا في وعيسى أنا بنتمنى لا شابوني وبعد سنتين وبعد سنتين وبعد ثلاث مشاعر شتو دعوة بعد سنتين وهو أكبر من سنتين لا يا أنا بديشة أنا سنتين فاتا في لقمة بني أنا ما بدي تنو أنا ما بدي تيجي لا تاني ولا كمان أنا هو بعدا وبعد ذاتها وبعد ذاتها كم 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 يعني كم كم أنا سيدي أقول لي نسيني فليس هناك إلا الجهاد. فنحاسب أنفسنا وجوارحنا محاسبة جادة. ونجاهلها كل المجاهلة كل المجاهلة كالعين والأذن والأنف le seul donc
quiconque provient en dehors de lui se plaît. Le puissant, dans toute personne qui s'adosse à autre que lui, s'habilite. Il est cet doux et grand pardonneur. Je ne loue pas ses immenses bénédictions. Je remercie pour nous avoir permis d'atteindre cette période de jeûne et d'évocation. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être d'adorer autre qu'Allah, le seul saint associé. Il est unique en perfection et en plénitude. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Il l'a envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité, comme modèle pour les générations et comme preuve contre tous les hommes. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont emboîté leur pas jusqu'au jour suprême. Très chers frères et sœurs en Islam, craignez Allah. Craignez Allah, Allah le très haut, en respectant ses ordres et en nous éloignant de ses interdits. Il nous dit dans le Saint-Coran, « Oh, vous qui avez cru, craignez Allah, comme il convient de le craindre entièrement. » Sourate 3, verset 102. Craignez donc Allah, ô serviteur d'Allah, et sachez que vous êtes en période de la grande piété, car le mois de Ramadan est un moyen le plus sûr et la cause la plus certaine d'atteindre la crainte d'Allah. Il n'y a plus de grande cause pour cela que la parole d'Allah qui dit, oh, vous qui avez cru. Le jeûne vous est prescrit tel qu'il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate 2, verset 183. L'éminent de Médic Ibn Sa'd, à la défense miséricorde, a dit dans un propos par rapport à l'explication de ce verset, le jeûne est la plus grande cause de la piété, car il obéit aux ordres d'Allah et à ses interdictions. Très simplement croyant, il y a parmi les gens qui font de Ramadan une période de nourriture et de boisson, une occasion de savourer des divers types de nourriture. Pour une autre partie des hommes, c'est une occasion pour aller au plaisir interdit, passant de longues heures à regarder des séries télévisées, le football, les films, à s'occuper des futilités sur les réseaux sociaux et bien d'autres occupations qui éloignent leur auteur de la piété. Très chers les frères en Islam, il y a tristement parmi les hommes ceux qui, le mois de Ramadan leur apparaissent et partent alors qu'ils s'éloignent encore plus de la piété. Ceci à cause des raisons que nous avons précédemment évoquées et bien d'autres. Alors, chers frères et sœurs en Islam, prenons garde d'être parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, bon homme sont les jeûneurs, donc ils ne restent de leur jeûne que la faim et la soif, car ils en dépaillent. Et pour la en disant encore, celui qui ne délaisse pas la mauvaise parole et l'œuvre qui va avec, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson pour lui. Lorsque le jeûne ne préoccupe pas la piété et l'agrément d'Allah, alors il n'a autre fruit que la faim et la soif. Pour ceux, chers frères et sœurs en Islam, nous devons être une source d'intelligence en faisant une cause à notre propre personne et en faisant un autre jugement. En jeûne et en prévoyant de gagner la crainte d'Allah. Alors, messieurs, nous de toute rubine à demain ou de toute négligence, car le temps est très précieux, s'il est perdu, il ne se rendra plus jamais. Chers frères et sœurs croyants, messieurs, nous de tout ce qui altère le fruit de notre Dieu, et soyons très prudents pendant ce mois béni, qui n'est en réalité que de quelques jours, juste quelques jours, pas beaucoup. Alors consacrons notre temps à ce qui agrée notre Seigneur du très haut. Faisons un moyen pour nous rapprocher de notre Seigneur béni et exalté. Nous couperons ainsi le vœu de cette âme qui n'est qu'une cicatrice au mal que toi. Âme, que tu nous fasses ce qui annulera la balance de ses bonnes actions pendant ces jours si précieux. Si elle se soumet, alhamdulillah, toutes les louanges sont d'être à Allah. Mais si elle s'abstient à préserver dans le péché, alors nous mènerons une lutte acharnée contre ses désirs et passions. Et c'est là le vrai combat. Nous jugerons nous-mêmes nos âmes ainsi que les organes de jugement très pointus et nous mènerons contre elles une lutte sans précédent. Contre par exemple, nos oreilles, afin qu'elles n'écoutent pas des interdits pendant ce mois-ci, qu'elles n'écoutent pas la musique interdite, qu'elles n'écoutent pas la médisance ou la calomnie,
qu'elle n'écoute que ce qui agrée notre Seigneur, tel que les tafsirs, les lectures du Coran, les enseignements du prophète et les histoires des compagnons, etc. Nous mènerons une lutte farouche contre notre bouche, afin qu'elle s'abstienne de dire ce qui alourdira la balance des mauvaises actes, mais d'aller vers tout ce qu'Allah aime et agrée, telles les bonnes paroles, la lecture du Coran, les bons conseils. Nous mènerons une lutte d'envoile. Nous mènerons une lutte grandiose contre tous nos organes, les pieds, afin qu'ils nous conduisent vers ce qu'Allah aime, les mains, afin qu'elles s'abstiennent de toucher à tout le corps interdit, mais qu'elles touchent tout ce qui favorisera notre approchement à Allah. Nos langues, nos narines, nos pensées, tous ces organes participent au jeu et chacun d'entre eux a un rôle très pointu qu'ils jouent. C'est donc à nous de les utiliser dans le bon sens ou dans l'autre. Nous l'avions dit, le temps est très précieux. Il est très précieux et il est de manière très pointue. Alors, faisons tout possible pour ne pas regretter nos actes d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs dans l'islam, nous demandons à Allah le Tout-Puissant d'accorder la grâce, la bénédiction sur tout chacun de nous et qu'il guide nos pas. Nous implorons à Allah le Tout-Puissant que le mois béni dans lequel nous sommes, qu'à la facilité tout chacun de nous, pour que ce mois soit un mois de bénéfice pour tous les musulmans de ce bas monde. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant, qu'il ait le don de l'humanité d'accepter le sacrifice et accorde paix et salut sur le meilleur des hommes des pauvres, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous les musulmans du monde entier. Ainsi, nous sommes à la fin du sermon de ce jour, qu'Allah le Tout-Puissant nous compte parmi ceux-là qui ont fait beaucoup de prières de dimanche sur cette terre et qu'il exauce notre prière. Le voleur du temps le plus possible vous prive de faire les prières de la nuit et d'avant l'aube et de demander par exemple dans le dernier tiers de la nuit. C'est très important. Le quatrième voleur, c'est la prière. Surtout au moment, les femmes, elles passent beaucoup de temps à préparer de nombreux plats qui ne sont guères, différents les uns des autres, sauf au moment où ils goûtent et beaucoup d'entre eux sont finalement jetés à la poubelle. Le mois de Ramadan est un mois très précis. Nous devons nous limiter, ce n'est pas un mois de repas, nous devons nous limiter à beaucoup de choses. Le cinquième voleur, le téléphone et la durée des appels et les PC qui en découlent. Il y a la médisance, le ragot et divulgation des secrets d'autrui sur les réseaux sociaux, nous le savons tous. Le sixième voleur, l'avarice nous perd, l'avarice nous prive de la charité et de la récompense qui protège contre le feu, en particulier la charité du mois de Ramadan. Le septième voleur, milieu dans lequel on se rappelle rarement d'Allah. C'est le seul regret pour tous ceux qui le fréquentent et le jour du jugement dernier. Enfin, le maître des voleurs des médias sociaux, s'ils ne sont pas utilisés pour ce qui plaît à Dieu. Ces choses de gens en islam, ce sont donc ces sept voleurs que j'ai à vous divulguer pour que chacun d'entre nous en prenne conscience de ça pour ne pas perdre ce mois béni. Le mois de Ramadan, c'est une fois l'année. Une fois que Dieu n'a pas venu dans ce mois, qu'est-ce qu'il prouve que le mois prochain ne sera encore en vie? Rien ne prouve. Si on est ainsi, jeûne aujourd'hui comme tu ne seras plus là demain. Nous sommes en train de faire la prière du vendredi. Qu'est-ce qu'il prouve qu'à 16 jours nous serons encore là? Personne ne sait. Si on est ainsi, c'est le moment de le faire avec une foi sincère. Car le Dieu puissant nous guide dans le droit chemin et qu'il accepte de prier. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. يا رب العباد وانتشت روحي.